Hey tout le monde, c'est Rocky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau live, j'espère que vous m'entendrez bien, que le son est bien. Je l'espère en tout cas. Normalement. Sur cette vidéo. Je dis bien normalement parce que je vais aller vérifier parce que. Parce que je sais plus mieux, parce que j'ai un casque. Vraiment parce que je vais aller. Je l'espère en tout cas. Normalement. Ok, donc apparemment vous m'entendez assez bien, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je suis contente. N'hésitez pas à me dire de temps en temps s'il y a des problèmes, si ça bug, si. Désolé pour les fonds qu'il y avait en arrière, c'est juste que j'ai lancé le jeu, et forcément en lançant le jeu, il y avait le son qui était activé. Voilà. Il n'y a plus de son. Je veux pas le mettre en grand écran. Je veux le mettre en grand écran. Attendez, parce que j'ai. Attendez parce que du coup là je suis en train de... Mon jeu ne veut pas se mettre en... Ah voilà. C'est bon. C'est bon, il s'est mis en plein écran. Alors ça du coup je pourrais pas regarder vos messages tout le temps. Je les regarderai par moment. Donc je peux pas tout le temps hop, vous le dire et pouf. Normalement le jeu passe. C'est bon, le jeu ne veut pas alors que tout à l'heure il voulait bien. Voilà. Donc on est donc sur Pokémon, donc c'est les cartes, vous savez les petites cartes là comme vous voyez, ce genre de cartes. J'ai un petit cadeau à récupérer. Alors, bah c'est ma récompense quotidienne. Enfin pas quotidienne parce que je me gagne pas toujours, mais une récompense en fait. Produit reçu. Ah oui, du coup j'ai reçu ça. Hop, c'est super. Ah merci. Donc voilà, donc en fait c'est un truc où tu peux combattre, tu peux faire plein de choses. Et là en ce moment il y a je crois un événement Play Pokémon. Moi je vais vous montrer un petit peu déjà ce que j'ai etc. Avec ma collection. Ma collection, j'en ai pas mal. Je sais pas combien j'en ai au total. Je vais montrer mon deck. J'ai des decks parce que j'en ai plusieurs. Je sais plus lesquels est bien, je pense que ça doit être celui-ci. Lui il est pas trop mal. Regardez cette jolie Mewtwo X. Je la trouve très sympa. Là on en a plein, là regardez-moi ça. Cressilia X, c'est génial. Là on a de belles X quand même. Regardez, est-ce que c'est pas une chance d'avoir un Dracaufeu comme ça? Moi je le trouve vraiment magnifique. Je sais qu'il y a un Dracaufeu qui était super rare, je crois pas que c'est celui-ci. J'ai un Démolos. J'aime bien cette carte, elle est super belle aussi. J'ai plusieurs cartes, puis là j'ai plusieurs... plusieurs jetons, donc là j'ai choisi celui-ci. Etui, c'est celui-ci que j'ai choisi, protège carte machin. Voilà, après ça je crois que ça c'est une copie du deck de celui-ci je crois. Il me semble que c'est une copie. Ouais c'est bien ça, je vais la supprimer. Comme ça, hop. Oh merde, je crois que j'ai pas supprimé le bon. Ah non c'est bon. Pfiouf, j'ai pas fait de bêtises. Alors ça, je ne sais... Ah oui ça c'est un deck... c'est le deck préfé en fait. J'aime pas, mais on peut pas le supprimer. Et lui c'est un deck d'essai. Lui il est un peu merdique. J'ai pas trop joué, je vais pas vous cacher, c'est pas genre j'ai beaucoup joué. Là, mon merdeux, c'est celui-ci. Voilà. Après, au niveau collection, c'est vrai que j'en ai. Je vais vous montrer un peu mes raretés. Je vais regarder. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer les. Par liste, sinon, je vais mettre en. En mosaïque comme ça, ça va être. On va faire par exemple l'avatar. Voilà, j'ai que des choses basiques. En jeu, que basique. J'ai un booster, on va se l'ouvrir juste après. Les énergies, c'est basique. Dresseur, moi j'apporte aucune importance au dresseur. Ça, faut le savoir. Je n'apporte aucune. Je suis en train de regarder. Bah, je pense que ceux que je vous ai montrés. Ah, j'ai des doubles. Là, vous voyez par exemple, j'ai. J'en ai en double. Je voulais vous le montrer plus près. Ah voilà. Hop.
Cassena et Cassena, du coup je l'ai... Enfin c'est pas vraiment un double, hein, vous voyez, mais bon, c'est quand même... Enfin, c'est celle-ci là qui est belle, regardez-moi comment elle est magnifique, je trouve ça superbe. Après il y a celle-ci aussi qui est très sympa. Là je monte mes ex hein, pour l'instant, là... Attendez, si je fais ça... Est-ce qu'elle me les trouver? Non, elle va pas me les trouver. En relou. Filtre. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Ouais, mais du coup, je vais tous les mettre, vous savez quoi. Hop, hop. Alors, j'ai pas tout, j'ai pas tout. Hop. Yes, ça ne marche pas. Ça me... Bon, bah tant pis, c'est pas très grave. On va s'ouvrir du coup le booster, justement, on va aller voir le shop. Je veux juste regarder quelque chose. N'hésitez pas à parler dans le chat, hein. Je regarde pas tout le temps, mais je regarde quand même. Alors là on est sur Voltige Éclatant, je crois que c'est le nouveau qui vient de sortir. Donc ça c'est cool. Alors moi savoir que je regarde pas trop les dessins animés, la série, etc. Parce que c'est vrai qu'il y en a eu tellement que je suis un peu perdue. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Si j'avais commencé à regarder sur ce que j'ai Netflix. Et je sais que vite fait j'avais regardé un petit peu sur Netflix. Mais sans plus. Donc je ne me suis pas attardée un peu plus sur ce sujet. Mais ça verrait que je pense que ça serait beau. J'ai fait tout tomber, c'est pas grave. C'est vrai que je pense que c'est une bonne idée quand même que je regarde. Regardez. C'est quoi celui-ci? Je sais pas combien, j'en ai que 29 parce que j'avais acheté des boosters. J'avais déjà acheté des boosters, donc j'en ai pas beaucoup. Là, les options de jeu, je trouve ça pas très intéressant. Au niveau des decks, par contre, c'est très sympa. C'est vrai qu'ils sont assez chers. Près de 200, c'est sympa aussi. Puis en vedette, forcément, c'est Voltige Éclate le. Donc je disais, oui, pour l'instant, j'ai pas. Attendez, je change. Donc on va aller s'ouvrir le booster. Le booster. C'est parti. Vous êtes prêts? C'est de épée, bouclier, clash et rebelle. Let's go. Alors attention. Ok, on a que des nouveautés pour l'instant. On a que des nouveautés. Alors on a une énergie. Je vais attendre avant d'ouvrir la dernière. Donc là on a ça, c'est pas trop mal, je la connaissais pas, donc ça c'est cool. Ça ces deux là j'en ai tellement, enfin j'en ai pas tellement car Pokémon ils m'ont tellement marqué. Celle-ci est très sympa, celle-ci aussi. Bah celle-ci regardez, elle est là, oui, hop. Là bon ça on a qu'une, ça c'est cool, donc c'est pas trop mal. Attention, je ferme les yeux, ça le découvre avant moi. Ok, un Ronflex, sérieusement. Bon, les objets, ils sont attachés à un Ronflex, mais oh putain, j'aime pas les Ronflex. Enfin, je vois pas. Là, je trouve quand même que le graphisme est hyper beau, il est vraiment bien fait. Mais un Ronflex, oh, je suis trop déçue. Je suis trop déçue. Niveau de déception, là, il est haut, hein, je vous préviens. Un événement. On va faire l'événement. Bon, du coup, vous marquez pas, je suis triste que vous marquez pas un petit message. Bah du coup au critère d'aversion il faut 8. Enfin Voltige Éclat parce que booster aléatoire, jeton. Ah oui 400 quand même, c'est pas mal hein. Après là c'est pareil. Ok place et jeton. Bon je vais pas faire parce que je vais pas y arriver. Versus. Oh là 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 là, nouvelle récompense versus disponible. Elle est très très belle comme carte, je la trouve très très belle. Pour l'instant, il en faut 10. Bon, j'en ai pas forcément. Enfin, je l'avais avant. 210, et là, on a. Ok. Allez, let's go. Vous allez voir, mon talent il va être pourri. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Ça fait tellement longtemps. Bon, alors là, je suis pendant un combat, je regarderai pas vos messages. Ok, donc on a plutôt un deck en face. Oh là là, dessous. Et moi, je prends pile. Allez hop. C'est sûr, ça va être face. Oh yes, j'ai la gagné. Vous voulez commencer? Bah ouais, on va commencer. Parce que je suis comme ça. Alors, on va pas mettre une GX, faut d'abord la préparer. On va mettre celle-ci pour l'instant. Elle est pas hyper. C'est pas la meilleure. Celle-ci, par contre, on va mettre celle-ci avec la Ponyta. Là, c'est bon, on a terminé. Parce que du coup, faut quand même que je la prépare un petit peu avec le combat, etc.
Hop, là, je peux. Ah, pour l'instant, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Cette attaque de Pokémon, non, machin, les gens. Je sais pas c'est quoi ça. Chaque fois qu'un joueur joue une carte objet ou une carte supporter de sa main, évitez tous les effets de la carte sur ses. Ah bah super. Je sais pas comment. Voilà. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Hop là. Ça va, pour l'instant, c'est pas une carte intérieure. Faudrait qu'on ait des énergies, ça serait pas trop mal. Fournaise, bah, il nous faut une deux. Ah mais je suis trop blonde. Mais non mais je suis vraiment débile parce que je suis en train de mettre des trucs qui sont vraiment aucun rapport et que j'aurais pu mettre justement sur ma carte. Je suis vraiment mais totalement débile. Je crois que là vous avez le droit de le dire. Je suis vraiment trop conne pour pas le dire autrement. Sauf que je crois que j'ai fait une boulette dans dans Victoire. Ah bah il m'a abandonné. C'était simple et efficace au moins. Ah, on a une récompense. On a une pour notre première victoire. Je sais pas c'est quoi par contre. Alors c'est quoi? Récompense boss mise. On en a 25. Super. C'est déjà mieux que rien. Allez hop, on a terminé. En tout cas, c'était un combat très difficile. Hein. Dis donc. Alors si on de 10 en 10, faut au moins encore 2 parties. Si je ne perds pas entre temps. Je vais juste regarder un truc dans mon deck énergie. Est-ce que vous voyez la bêtise? C'est-à-dire que par exemple là on a besoin de ces jeunes énergies là. Non mais je mets un Mewtwo comme ça mais si je mets pas aussi. On va aller refaire le deck. On va aller refaire le deck. Attendez. Chessionnaire deck. C'est vrai que j'aime pas trop faire les decks, c'est un peu compliqué. Hein. Je voulais pas le cloner. Alors, au niveau. En fait, ce qui est embêtant, c'est que là, en énergie, on a mis 12 de chaque. Sauf qu'on n'a pas mis d'énergie. Psy. Bah, j'en ai pas. Voilà. Il nous en faut. Parce que, du coup. Parce que. Là on a fait 12-12, mais il nous faudrait... Voilà, parce qu'il faudrait du coup qu'on mette... Il est où? C'est quoi ça? Double énergie. Ah bon, on va mettre ça. On va faire ça, et on va faire ça, et on va faire ça. Voilà. Comme ça on en a double, et du coup ça compte pour double, donc c'est parfait. Moi juste du coup... donc ça, ça va... Mais il y a un psy, je sais pas si ça compte. On verra bien. Mewtwo, là, donc quand ça compte double, je vais pouvoir le mettre. Voilà, du coup je crois que j'ai le droit à une carte de Pokémon parce que j'ai fait une boulette d'en enlever. Where is Brian? Ouh là là, le gros bébé, mais il faut le pour le gros bébé il faut quelque chose. Je pense que c'est pas très judicieux de mettre ça. Je trouve ça pas très judicieux. Je trouve ça pas très judicieux. Après c'était de grosses cartes, hein. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est pas très non plus intéressant. Oh pardon. Je peux les retrouver après de toute façon. Hein. Mais faudrait des basiques assez grosses. Hein. Après c'est vrai que c'est l'idéal hein, mais là au moins vous voyez toutes mes cartes hein, là ça s'ouvre, vous les voyez tous parce que là faut quand même c'est trop compliqué là.
bah lui il a des molosses. Ici il est là. Ah, je l'ai en double. Je savais pas. Bah je peux le mettre en. Ah bah non. Ah, il apparaît quand même, d'accord. Ah bah oui. Tiou. Ah, il est là. Est-ce que lui on l'a? Est-ce que lui on l'a mis? Ah bon, on l'a déjà mis. C'était sûr. C'était sûr qu'on avait déjà mis. C'était sûr de toute façon qu'on l'avait déjà mis parce que c'était trop une belle carte. Ouais, là pareil. Ouais, mais non, parce que c'est que un. Là pareil, puis il faut un truc. Elle est belle cette carte. Bon, alors toi tu ramènes ton boule. Oh, mais... Ramène tes fesses. Oh. Oh, elle est magnifique. J'ai jamais fait gaffe. Il y a des cartes où j'ai jamais fait gaffe. Alors attendez, parce que là, ça va pas le faire. Il nous en faut encore. One. Oui, c'est Brian. Bon, voilà. On les a tous fait. Hein. Franchement, on les a tous fait. Franchement, je vois pas ce que je peux mettre. Je vois pas ce que je peux mettre qui peut être pas trop mal. Je vois pas du tout. Ça, je mets comme ça la joie que dalle. Faut me parler comme ça parce que je vois rien. Je sais quoi. Ah, je vais dire on va mettre ça, mais non, faut mieux qu'on prenne un élément. Et puis on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On peut prendre Pyroli, mais il nous faut Evoli. Et je crois qu'il est déjà eu. Je n'ai pas vu. Bon bah ça sert à rien du coup. Là il me faudrait vision que ça ne marche pas. Celle-ci elle peut être pas trop mal. Me saoule. On va jamais trouver. Sinon je peux mettre un petit flamèjou. C'est vrai que je le trouve très mignon. Par contre, hein, voilà, on ne dira pas la différence, hein, mais bon. On peut mettre Fennec. On a littéralement trois Fennec totalement différents. Tout va très bien. On a celle-ci, mais il faut trop de cartes. On a un petit carapuce, hein. C'est basique, c'est tranquille. En base quand même c'est pas mal. On va mettre celle-ci parce qu'elle est pas mal du tout. C'est une très belle base je trouve. Parce qu'on est quand même à 130. On peut facilement l'attaquer. Donc c'est assez simple je trouve. Pas trop de complexitude. Attendez, je vais sortir un petit mot. Donc il nous en resterait une. Donc ouais, donc c'est une belle base je trouve parce qu'en plus il y a un. Donc c'est très simple. Après c'est un peu plus compliqué mais bon. Pour commencer c'est très bien. Oh bah voilà une belle base. En voilà une belle base. Sachant qu'en plus on en a deux. On a une très belle base. Articolotin. Magnifique base à 120 avec un truc. C'est pareil ce genre de choses. C'est vraiment très basique. Mais c'est primordial quand même. Bah regardez, l'autre il est là. Quand je vous disais que c'était vraiment genre le truc. Ouais, ça me gêne beaucoup aussi. Bon. Et ben voilà. On va aller l'essayer comme ils disent. Let's go. Nous, on est là quand même pour récupérer des récompenses. On n'est pas là pour se tourner des pouces non plus. Allez, on va essayer trois adversaires. Donc là, c'est vrai qu'en plus, j'ai deux éléments qui vont pas trop avec le feu et le. Ouais, c'est pas la meilleure chose. Bon, je sais pas. Je crois que j'ai un symbole parce que j'ai déjà joué. Patientez votre adversaire. Ah d'accord. On a pris pile, ben on va reprendre pile. Ben, bien sûr que oui, je vais commencer. Alors, on va avoir quoi? Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, on a les deux là déjà. Oh, on a les deux déjà les gars. On est. Ou les meufs, hein. Moi quand je dis gars, c'est les meufs aussi. Oh, on est dans une merde internationale. On va commencer simple.
Et là, par contre, on a de très grosses choses qui s'annoncent. Si on gère bien, on peut gagner la partie. On peut se faire une très belle partie. Quand le mec qui va voir ça, il va faire bon, bah, je suis pas dans la merde. Pique, pique, pique. Pique, pique, ouais, c'est ça. Alors, bah écoute. Piouf. Ah, pour l'instant, je peux pas. L'ancienne pièce s'efface, échanger l'un des Pokémon de bande reversée avec son Pokémon actif. Non, je vais pas le mettre tout de suite, ça sert à rien. C'est vraiment quand je serai dans une mauvaise position. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Là, on est sur du 60, hein, on est quasiment pareil. Pour l'instant, en plus, il a rien mis. On va utiliser sur la même connerie. Dans ces deux pièges, cherchez un dans votre deck, nombre de cartes. Bon, je sais pas quoi ça le concerne. Tant que ça... Bon, bah, c'est forêt, de toute façon. Comme ça, c'est fait. Bon, allez. Tu laisses ton tour, là. Je sais pas bien jouer, moi. Il met vraiment beaucoup de temps à jouer. Hein. Il en met du temps. Il en perd. Il en perd pour rien. Ah, si ça a quand même marché. Bon, on sait, on s'en fout. T'en perds du temps, là. Être un peu plus réactif dans ce que tu veux faire quand même. On va regarder un peu, on va jouer ça, on va peut-être le mettre. Bon, après cette carte, je joue celle-ci, donc lui là je vais le mettre là. Ça va là. Ça je ne peux pas la jouer. Et je pique pique. Hop là. C'est pas grand chose, j'ai envie de vous dire, mais bon. Dans cette tour, dans 6 tours, ce sera fini. Histoire d'occuper le temps que le jeu se lance, le temps qu'on mette tout en place. Sachant que là, il me faut... Le deck est pourri sur ça. Peut-être que je mette un peu moins de cartes, c'est que je mette plus d'énergie pour être sûr d'avoir plus d'énergie. En tout cas, il est très lent. Et ça qui est pas bon. Ça pue pour lui. Ça pue la chaussette pour lui parce qu'il est beaucoup trop... prenez deux cartes énergie de base de votre pile de défaut et rajoutez-les à votre main. D'accord. Ah, il a pris ça. Bah, c'est si tu veux, j'ai envie de te dire. If you want. Par contre, il perd trop de temps. Ah, enfin. Alors. Prenez deux cartes énergie de votre pile. Je vais mettre ça. Oh non, battre en retrait. Je vais pas battre en retrait. Mais non, je suis le seul. Terminé. Du coup, j'ai mis ça et j'ai pas pu jouer. Je sais pas pourquoi. Cette carte, je crois que je l'ai maudite. Franchement, faut que je refasse mon deck par rapport à ça. Parce que les dresseurs, c'est ce que j'aime le moins. Et je pense que j'aurais pas dû faire ça. Du coup, ça m'a perdu un tour pour le tuer, sachant que lui derrière il est en train de préparer tout son petit truc et tout. Niveau énergie, j'en ai pas assez, c'est pas suffisant. Et du coup, ça, je sais même pas où je vais mettre parce qu'il a pas de feu. Attendez, je peux même plus jouer du coup. Putain, là les gars, on est dans une merde, vous savez même pas parce que du coup, je peux plus. Je peux le mettre là comme ça. Ah voilà! On aime quand ça se passe comme ça. Du coup, là, voilà, je peux plus. Et après, je vais échanger. Juste après, je vais l'échanger. Putain, c'est de la merde. Non, en fait, je peux pas échanger. C'est trop de la merde. Tac. Je peux faire ça. Du coup, je me suis dans une merde toute seule. Il est quand même à beaucoup moins de temps que moi. Enfin, quelques minutes de moins de temps que moi. Et à moins de cartes. Donc, il est un peu en mauvaise position. Mais après, moi, je suis en mauvaise position à la fois. Parce que du coup, ce qu'avec j'ai mis, bah, ça me fait que je peux rien faire. Donc, c'est super relou. Ça me saoule. Regardez, je peux pas. Bah, de toute façon, je fais rien pour l'instant. Moi, je suis rapide et je perds pas de temps. Quoi. Parce
Parce que du coup, quand son tour il est fini, bah il a plus de temps pour jouer. Moi, ça m'arrange. Ouais, mais c'est rien ce qu'il vient de faire. Là, je sais pas si ça va compter comme 3. Je pense pas, faut vraiment avoir que je mette l'énergie. Hop là. Moi, j'ai pas grand chose. J'ai un deck qui est pas. Genre, c'est pas le meilleur deck au monde. Je m'améliore en fait en faisant les parties. Je me dis, tiens, ça va pas. Faut que je fasse plus ci, faut que je fasse plus ça. C'était pas à parler dans le chat, à me parler dans le chat et tout. Ça peut être très sympa. Bon, alors lui, il fait quoi? Lui, il est vraiment lent. Par contre, il est débile. Regardez-moi ça. Comment vous voulez que ça marche? C'est pas les bons. Là, regarde, il a plein. C'est quoi comme carte? Ouais, on va mettre ça. Comme ça, si. Je peux toujours pas jouer. Ah! Vous voulez pas? Parce que du coup, là, les flammes, je peux faire 20. Faudra juste un autre. Là, il y avait pas, donc ça va à rien. Et là, je l'ai mis en... parce que lui, c'est le prochain sur la liste. Juste après, je l'envoie. Alors, les attaques des Pokémon non ultra chimères. Attache l'énergie de base de votre perceur. Voilà, et maintenant je fais un pic. Oui, je fais mon pic-pic. Yes. Enfin. Parce que vraiment c'était relou, du coup je peux plus rien faire. Le mec, je pense que je peux le bouffer son truc, ça va être normal et tranquille. Parce que je pense que c'est peut-être pas battre en retrait. Parce que battre en retrait, tu peux changer en fait ta carte. Et je pense qu'il sait pas faire. Et du coup, il est bloqué avec celui-ci où il a pas de d'énergie comme ça. Donc il est embêté. Après, il a de très bonnes cartes par contre. Celui-là, ça va être un peu plus difficile. Mais pour l'instant, j'ai aucune crainte à me faire. Parce que pour l'instant, c'est du le chien. Je vais le mettre, ça va être à 10 près, et comme ça je vais faire mon temps de préparation parce que j'ai l'impression qu'il est. Bah pour l'instant en fait je crains rien, donc faut vraiment bien que je me prépare quoi. Je me prépare bien et puis. N'hésitez pas à appeler dans le chat à me donner des conseils pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, que je voulais que je vous explique en attendant. Pour que ce soit un peu plus motivant parce que j'ai l'impression que vous allez vous endormir. Bon après c'est vrai que je suis pas la meilleure joueuse, hein. On va pas se le cacher. Voilà. Parce qu'après ça me fait du coup ça me fait le battre une fois. Faut que j'arrive à rebattre une deuxième fois. Mais là du coup ce qui est intéressant c'est ça là. Parce que là en fait j'ai aucune crainte à me faire pour l'instant. Là sauf ça là ça me fait 30. Ah oh, bah je peux pique pique hein, je peux aller pique pique. Les pic-pic, hein. Je me permets. Là, vu qu'il y a double, donc tranche griffe, il me faut une carte. Faut que j'en ai deux. Faut que je choisisse. Faut que je choisisse. Parce que du coup, là, là, j'ai pas de crainte. Là non plus. C'est là où vraiment. Même pas. Bah non, même pas, c'est pas la bonne. Là, j'ai aucune crainte à me faire. Hein. Il a mis quoi? Il a mis pour triple. Mais il aurait pas dû. Enfin, là, il peut juste mettre un du coup. Ok, et je pense qu'il y a d'autres endroits où il aurait dû mettre que là. Bah je vais sacrifier. Ouais, du coup là je pourrais pas. Tant pis, ça que du coup c'est mal fait mon deck, il va falloir que je mette des énergies. Il va falloir que je fasse. Mais là le mec pour l'instant vraiment c'est un gros poulet. Ouais mais ça, vous savez que j'ai même pas peur de ça parce qu'en fait il peut pas jouer non plus. Quoi? Ah n'importe quel truc ça marche quand même. Ok alors je vais prendre lequel. Parce qu'il y en a 4, il fait 250 de dégâts quoi. Le mec il casse les bonbons de ouf. Du coup je savais pas, ça marche quand même.
grand chose, mais c'est pas très grave. C'est bien fait pour lui, ça. Superbe. Là-bas, je lui ai mis 50, hein, quand même. Non, 50, du coup, pour l'instant. On a battu un, mais... Ah, merde. Putain, les gars, vous savez que là... Il y a encore 5 fois, et après, je suis morte. Putain. Je vais prendre lui. Plus rien, les gars. Ok, c'est bon, Sam l'a mis KO. Oh, heureusement, parce que je suis vraiment dans une merde. Ça m'aide un peu d'elle, les gars. Je suis en finale internationale. Combien j'ai mis 60? Ouais, mais moi je l'atomise en fait. Oh. Là, ce serait judicieux, je pense, d'utiliser ma potions. S'il le fait. Oh, je sais pas, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Parce que moi je suis qu'à 5, il est à 4. Hein. C'est pas ce qu'il nous fait par contre. Mais c'est quoi la blague? À quel moment il peut pas? 60 fois, mais putain, mais les gars, non. Je peux pas, en plus, je peux pas. Je suis dégueulasse. Je sais pas si c'est vraiment judicieux, mais. J'ai pas beaucoup de choix là, les gars. Je suis dans une position. Il peut pas mettre KO. Normalement, il peut pas, il a pas le droit. En fait, c'est que mon deck, il a pas assez d'énergie. Donc, je peux pas assez mettre rapidement. C'est ça qui manque. Et les dresseurs, c'est de la merde aussi. Hein. On va refaire le deck après. Ok. Je peux jouer, c'est bon. Encore quelque chose à faire. À moins s'il bat en retrait, il a pas le droit derrière de me faire quelque chose. Oh putain, il a pas fait le truc. Non mais. Il bat en retrait, à quel moment il me fait ça? Putain, d'où ça c'est critique par contre. Bon, par contre, je peux jouer là, c'est bon, il a déjà, il va pas me remettre, mais il a pas le droit. Mais putain, mais désolé les gars, mais genre au bout d'un moment ça gonfle. Quoi. Bah, si mes 60, enfin, je suis large, mais après s'il change la 190. Parce que du coup il m'a mis 60 en fait là. Vu qu'il m'a mis 60, bah ça fait plus 100. Et j'ai des potions. Oh trop cool. C'est mon affaire en double. Je suis trop contente. Putain ça c'est bon les gars. Donc là qu'est-ce qu'il va mettre? Par contre s'il met ça, je suis dans la merde. J'aurais dû penser que du coup je le butais. Parce que là je suis un peu dans la merde du coup maintenant.
Oh, ok, c'est bon. C'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Ah putain. Parce que là, du coup, clairement, il peut pas me plus rien faire. Je le mets KO, ça me fait 2. Je me répare. Et là, il peut pas m'infliger trop de dégâts. Toute façon, il a plus qu'un. Il en a plus qu'un. Donc ça c'est bon, là on est en bonne position pour gagner les gars. Mais bon 30 hein, si tu veux, vas-y. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai pas une grosse peur, vous voyez, c'est. Bah voilà. Et ça par contre, on va le mettre là-dessus. Plus je lui à 60, plus j'ai pas le carrière, parce que je le défonce facilement. Il lui reste plus que 2 chances avant que je l'oublie. Et lui 3. Je suis en bonne position là les gars. Je peux clairement oui. Je peux win. Il y a de grandes chances que j'arrive à win. Est-ce que vous croyez en moi? Il joue mal, il joue mal, il joue mal. Il aurait dû. S'il prend ça, il me faisait un. Il faisait une belle action. Il pouvait avoir un minimum sortir. Parce que là, bah, il faut que je l'atomise maintenant par contre. Haha, je vais là. Allez, laisse-moi jouer. Bah allez, ils ont joué. Putain. Ah mais il peut pas mettre d'énergie. Par contre les gars, s'il met l'énergie sur lui, je suis dans la merde. Ce qu'il fait. J'ai trop peur les gars, je vous promets. Ah putain, j'ai peur. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Alors toi, direct je le soigne. Il faut que je le soigne, j'ai pas le choix. Là je suis à 4, donc là on est bon. Fournaise. Mais ça sert à rien parce que du coup au final je vais faire ça. Là du coup ça fait 200. Donc lui il est cuit. Bon bah j'ai win hein, les gars. Vous allez me dire bah non il te reste un, mais le problème c'est qu'il va mettre ça. Ça sert à rien. Parce que là il a que dalle. Enfin même s'il a une énergie il met 30. Enfin. Même là, il fait 150, au final, enfin, il prend même pas, donc. Voilà. J'ai gagné au final. Au final, je vais win. Je trouve, hyper bien défendu. Vraiment, je trouve que j'ai quand même pas mal. Oui, bah alors 30, comparé à ce que je vais te faire maintenant, c'est pas grand-chose, quoi. C'est gentil. Allez, c'est bon, là. Par contre, on remarquera qu'il a 12. Je suis. Mince. Il remarquera qu'il est à 12 et moi je suis à 18 quand même. Oh là là, je prends tellement son temps, quoi. Chercher une carte énergie dans votre base de. Oui, non, mais en fait, les gars, regardez. Regardez! Voilà, t'es cuit, salut, c'est bon, j'ai gagné. Tout est bon. J'ai quand même atomisé. J'aurais pu faire durer la chose, mais c'est. Dégâts infligés, 1060 quand même. Eh, c'est pas la classe quand même? Est-ce que c'est pas la classe? Ah bah, et voilà, on a gagné 20. Hey, on a géré ou on n'a pas géré? Putain, les gars, on a géré de ouf, hein. Et pourtant, mon deck est merdique. Donc, on va faire ça tout de suite.
Ok, on va aller refaire vite fait le deck. Au niveau des dresseurs, c'est de la grosse merde. Alors, par contre. Alors. L'ancienne pièce, si. Ça, on va l'enlever. Ça, hop. Ça dégage. Ça. Je sais même pas c'est quoi, je l'ai enlevé, ça va être vrai. Ouais, j'en ai déjà d'autres. Ça c'est bien, c'est de la merde. Ok, on va tout reprendre. Alors, ouais, intéressant. Ça, c'est intéressant. Mais du coup, ce que je vais faire... je m'en fous un peu, enfin même si c'est bien hein. Mais franchement je préfère faire ça. Voilà, ça m'en fait 4, ce qui est pas trop mal je trouve. Au niveau Pokémon je trouve ça pas trop dégueulasse. Ça, je m'en bats les steaks un petit peu, donc voilà. Là, c'est important. On peut acheter une petite carte. Ajouter une carte. On peut acheter une carte. Ok, je sais quelle carte on a ajouté. Énergie, est-ce que j'ai une carte? J'ai pas une carte, sont les petits sont là. Je vais. Oh, attendez, j'ai reçu. Attendez. Ah bah enfin, on va aller voir MSP, apparemment il y a un event. C'est ça que j'ai voulu. Viens te voir après. Ajouter. Oui, c'est juste histoire de dire. Merde! Je suis la pire, vraiment. Hop là. Alors attendez, apparemment il y a eu un event. Apparemment, attendez, il y a un petit event. Je vais voir ça après. Bon, bah voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça. J'espère quand même que ça vous a plu. C'était un petit live. Hein. Il fait quand même un moment qu'on est en live. Ah, c'est passé si vite que ça. En tout cas, j'espère que ça a plu. Moi, je fais plein de gros big up. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Alors oui, j'ai toujours pas mis de fond de live, j'ai toujours pas trouvé de photos. Bref, ciao.